Si con esta exposición de la profesora Pérez Monzón hemos tenido una visión amplia sobre el concepto de la copia, con la intervención del profesor Martens, veremos un momento más concreto de esta visión que ya nos ha presentado. El profesor Didier Martens es titular de la Cátedra de Historia del Arte de finales de la Edad Media y Edad Moderna de la Universidad Libre de Bruselas. Es uno de los máximos especialistas en pintura tardogótica en la península ibérica. Conoce la realidad flamenca y desde esa posición nos ha sabido dar a conocer muchísimas de las obras de inspiración flamenca que se encuentran en la península hispana en este momento. Conoce la realidad geográfica hispana a partir de grandes colecciones, pero también de piezas pequeñas que se encuentran en iglesias recónditas, lo que nos proporciona una mirada y un acercamiento verdaderamente inusual para la historia del arte. Tiene un vasto conocimiento de la realidad pictórica peninsular, con reveladores estudios sobre el maestro del follaje bordado o las copias de la Madonna Durán, sobre las que ahora nos hablará aquí en España. Destaca y me gusta muchísimo recordar y citar aquí su monografía sobre la pintura flamenca y el gusto gótico y de la misma manera el catálogo de la reciente exposición de hace muy poco tiempo de la pintura flamenca en el Museo Lázaro Galdiano, que fue verdaderamente todo un avance científico para los estudios de la pintura flamenca y tardogótica en la península. Le doy la palabra, profesor Didier Martens. Muchísimas gracias. Je voulais tout d'abord remercier beaucoup les deux organisatrices scientifiques de ce congrès, Madame Pérez-Monson et Madame Michaël Rouanne, pour avoir songé à m'inviter. Et je suis très heureux de pouvoir inscrire cette présentation concernant la réception de la Madone d'Ouran dans la couronne de Castille et dans la couronne d'Aragon à la suite de l'exposé très éclairant de ma collègue Olga Pérez-Monson. Je vais. Oui. Je vais ouvrir mon exposé en revenant sur ce triptyque de Miraflores, offert donc en 1445 par le roi Jean II de Castille à la chartreuse de Miraflores, à la chartreuse de Burgos, si l'on en croit en tout cas le témoignage d'Anthony Pons dans son Viaje de Espagne, avec l'arrivée dans la péninsule ibérique du triptyque de Miraflores de Rogier van der Weyden, commence une époque particulièrement importante de l'histoire de l'art en Espagne, une époque où la maison de Castille va se retrouver associée à l'art flamand, à l'art du Nord et plus particulièrement à la peinture de Rogier van der Weyden. Le goût royal va se définir en Castille comme étant en matière picturale un goût flamand. Et cette association entre le goût royal et la peinture flamande sera certainement une association porteuse d'avenir, puisque aussi bien au XVe qu'au XVIe et même au XVIIe siècle, les rois d'Espagne aimeront à se définir comme des amateurs de peinture flamande et leur possibilité d'avoir accès
à des œuvres flamandes originales leur permettra évidemment de manifester leur statut social particulier. En ce qui concerne ce triptyque de Miraflores, la réalisation dans les années 1490-1500 d'une copie de ce triptyque à la demande d'Isabelle la Catholique est certainement également un événement extrêmement important. Il s'agit de l'une des plus ancienne copie réalisée par un peintre flamand, soit Juan de Flandes, soit Michiel Cito, une des plus anciennes copies qui imite non seulement des compositions d'un devancier, dans le cas présent donc Roger van der Weyden, mais qui imite également le style de ce devancier. C'est en réalité une copie au sens moderne du terme, tel qu'il ne va vraiment s'imposer en Europe qu'au cours du XVIe siècle, où l'on va de plus en plus concevoir la copie comme un produit à double identité. Non seulement on imite une composition, parfois de manière extrêmement précise, mais l'on imite également le style dans lequel est réalisée cette composition. Et il est à noter que, en ce qui concerne donc la copie réalisée par Juan de Flandes ou Michiel Cito d'après le triptyque de Miraflores, cette copie a été considérée pendant longtemps par les plus grands spécialistes de la peinture flamande du XVe siècle comme une œuvre de Roger van der Weyden, ce qui prouve bien que la copie commandée par Isabelle la Catholique était une copie au sens moderne du terme, imitant aussi bien une composition en particulier que le style d'un peintre en particulier. Il y a quelques différences néanmoins entre le modèle et la copie, et l'une d'elles attirera particulièrement notre attention. L'on s'aperçoit que le copiste a d'une certaine façon normalisé son modèle, l'a rendu plus conforme à l'usage iconographique dominant. En effet, dans le panneau central du triptyque de Miraflores, Saint Jean l'Évangéliste est représenté revêtu de bleu, la Vierge Marie est habillée de rouge. Ce ne sont certainement pas des choix chromatiques fréquents. La norme aurait plutôt été de représenter Saint Jean l'Évangéliste revêtu de rouge et la Vierge Marie revêtue de bleu. Et c'est la solution qui a été adoptée, soit par Michiel Cito, soit par Juan de Flandes. Et nous retrouvons ici une des caractéristiques de la pratique de la copie au XVe et au début du XVIe siècle, c'est l'élément de normalisation iconographique. L'originalité du modèle, son extravagance pose problème dans certains cas et le copiste va corriger le modèle en l'adaptant aux normes iconographiques dominantes. Il n'y a pas que le triptyque de Miraflores qui va prendre le chemin de la péninsule ibérique du vivant même de Roger van der Weyden. Je vous rappelle que Roger van der Weyden meurt en 1464. Une autre œuvre de Roger van der Weyden semble bien se trouver dans la péninsule ibérique avant 1464, il s'agit de la Madone d'Ouran. En effet, la Madone d'Ouran
a manifestement servi de modèle à un peintre aragonais travaillant dans la petite ville de Huesca, Bernat de Arras. Celui-ci réalise pour la petite église de Pompienne un retable de la Vierge, de Saint Jean-Baptiste et de Saint Sébastien. Pompienne est une petite localité, aujourd'hui un despoblade au sud de Huesca. Le retable que vous avez sous les yeux n'est plus connu actuellement que par une photographie prise avant le début de la guerre civile. Une partie des panneaux se trouverait aujourd'hui dans les réserves du Musée national d'art de Catalogne à Barcelone. Ce qui nous intéressera dans le cas présent, c'est que ce retable est connu par un contrat signé par un artiste du nom de Bernat de Arras. Bernat de Arras qui a réalisé le retable de Pompienne entre 1461 et 1463. Le contrat date de 1461, les derniers paiements de 1463. Et donc ces dates, 1461-1463, nous mettent bien avant la mort de Roger van der Weyden en 1464. L'œuvre porte manifestement la trace du style de Bernat de Arras, comme le montre la confrontation de la Vierge avec le Saint-Vincent du musée de Huesca. Le panneau lui-même est une traduction, et c'est un terme que je vais définir plus précisément dans quelques instants. C'est une véritable traduction de la Madone d'Ouran dans un idiome propre qui est l'idiome de la peinture aragonaise du troisième quart du XVe siècle. On retrouve sans difficulté, donc de ce point de vue-là, il s'agit d'une traduction précise, on retrouve sans difficulté aussi bien l'enfant Jésus que la Vierge avec la position particulière de ses mains du modèle rogérien. Néanmoins, le peintre s'est efforcé de traduire la composition de l'artiste flamand dans un idiome esthétique qui est celui de la région dans laquelle il travaille. Et nous avons donc une œuvre aragonaise avec comme différence significative par rapport au modèle de Roger van der Weyden, l'utilisation de ces nimbes en relief, l'utilisation également de cette bordure de manteau en relief. Il est clair que pour Roger van der Weyden, la peinture, c'est uniquement et exclusivement de la peinture. En revanche, pour un peintre aragonais du XVe siècle, peinture et relief peuvent être combinés dans une seule image, et donc les auréoles, les bordures des manteaux présentent un relief, et d'une certaine façon, même le baldaquin que l'on aperçoit au-dessus de la Vierge est intégré dans la composition, là où tous ces éléments sont uniquement peints dans la composition flamande. Autre différence très significative, la Madone d'Ouran est représentée avec les yeux mi-clos dans une expression méditative, très caractéristique de la peinture flamande du XVe siècle. Cette expression méditative n'était pas du tout du goût des peintres aragonais du XVe siècle, qui demeurent attachés
à la conception byzantine de l'image, à la conception de l'icône byzantine qui veut que le personnage sacré représenté regarde le spectateur regarde l'image regarde le spectateur. C'est un point essentiel dans la conception de l'icône byzantine. C'est encore une référence essentielle pour un peintre aragonais du XVe siècle, de sorte que la Vierge Marie, aux yeux mi-clos du modèle créé par Roger van der Weyden, est remplacée par une Vierge Marie qui lance un regard de côté, bien marqué, au spectateur dans la traduction de Bernat des Arras. Il est également intéressant de voir que les effets illusionnistes caractéristiques de la peinture flamande du XVe siècle, avec notamment cet effet de saillie de la console semi-circulaire dans le tableau de Roger van der Weyden, cet effet de saillie est ici neutralisé au profit d'une intégration de la console semi-circulaire dans l'ensemble de la composition. Un autre exemple de réception de la Madone d'Uran dans la couronne d'Aragon, un exemple qui cette fois-ci est sans doute postérieur à la mort de Roger van der Weyden en 1464, c'est ce panneau que l'on attribue en général au maître de Bonastre, un artiste qui travaille dans le royaume de Valence dans le dernier tiers du XVe siècle. On retrouve clairement le groupe de la Madone d'Uran, mais à nouveau, il s'agit non pas simplement d'une copie, mais bien d'une véritable traduction où le modèle flamand est transformé en une peinture conforme aux canons esthétiques en vigueur dans le royaume de Valence. Et si déjà dans le retable de Pompienne, Bernat des Arras avait éprouvé le besoin de représenter la Vierge Marie devant un drap d'honneur, le maître de Bonastre est encore davantage désireux d'enrichir la composition de Roger van der Weyden d'éléments ornementaux. Il y a cette valorisation de l'ornement très caractéristique de manière générale du goût ibérique, en particulier à Valence. Et donc, la Vierge Marie, représentée entièrement revêtue de rouge par Roger van der Weyden, avec une robe rouge et un manteau rouge qui en outre présente la même tonalité, cette Madone d'Uran a cédé la place ici à une figure bigarrée qui présente un habit entièrement recouvert de motifs ornementaux. Cette dimension critique de la copie comme critique en acte, cette volonté de faire de la copie un art de la traduction, où il s'agit d'une certaine façon de dépasser esthétiquement le modèle en le rendant conforme à un système esthétique reconnu comme supérieur dans le pays où travaille le copiste. Cet aspect apparaît également fort bien dans une copie de la Madone d'Uran réalisée probablement par Sancho de Zamora, et je tiens ici à dire que j'adhère pleinement à l'identification proposée par Olga Pérez et Mathilde Miquel, qui propose de voir dans Sancho de Zamora l'auteur
de la plupart des panneaux du retable des Lounes. Et c'est donc vraisemblablement Sancho de Zamora hein, qui a également réalisé le panneau de Princeton. La confrontation avec la Madone d'Uran est extrêmement instructive puisque l'on constate que l'un des principaux changements apportés par le peintre Castillan au modèle flamand, l'un des principaux changements va dans le sens de la normalisation iconographique, de la normalisation des couleurs. La monochromie rouge de la Madone de Roger van der Weyden a cédé la place à une bichromie rouge et bleu qui correspond certainement de façon meilleure à ce que l'on peut considérer comme la norme iconographique en matière de représentation de la Vierge à l'enfant au XVe et au XVIe siècle. D'autre part, cette bichromie rouge et bleu facilite la lecture de l'image, là où au contraire Roger van der Weyden s'était donné la peine de créer une image de lecture difficile avec le choix d'une gamme de rouge identique pour le manteau et pour la robe de la Vierge. De la même façon, la lecture un peu difficile de la partie supérieure de l'image avec le conflit visuel entre l'ange Stéphane Effort et les remplages. Ce conflit visuel a été aboli par Sancho de Zamora qui représente simplement l'ange sans les remplages. Olga Pérez a également fait référence à cette copie de la Madone d'Uran, plus tardive, remontant sans doute déjà aux années 1520-1530. Je ne reviendrai pas sur les blasons des Quiñones et des Mendoza, visibles dans les Écoinçons. Mais de nouveau, je relèverai la transformation de cette Madone tout en rouge en une Madone rouge et bleue. Et il est intéressant de constater qu'indépendamment l'un de l'autre, Sancho de Zamora et l'auteur de la copie de l'ancienne collection Ellis, que vous apercevez donc à main droite, l'un et l'autre ont éprouvé les mêmes difficultés devant cette Madone entièrement revêtue de rouge de Roger van der Weyden et ont donc opté l'un et l'autre pour la bichromie. Ce qui est évidemment intéressant, c'est que l'un a opté pour un manteau bleu combiné à une robe rouge, l'autre pour une robe bleue combinée à un manteau rouge. Clairement, les deux peintres ont agi instinctivement de la même manière, alors que l'un et l'autre ne se sont certainement pas consultés. Je n'étais pas au courant de la restauration du panneau de Sancho de Zamora réalisé pour le retable de El Mullo, de sorte que je vais vous montrer une vieille photographie de cette œuvre découverte par Fernando Collar de Cáceres, dont je tiens à saluer la mémoire. C'est lui qui, pour la première fois, a mis en rapport le retable d'El Mullo avec les œuvres de Sancho de Zamora. Le panneau est intéressant puisque, de nouveau, on s'aperçoit que la Madone monochrome a été transformée en une Madone bichrome. Il y a également une valorisation très nette des effets ornementaux avec
un bras d'honneur avec les brocarts. Clairement, la Madone d'Ourane, en dépit de ce qui a dû apparaître comme une perfection dans le rendu des chairs et des volumes, cette Madone d'Ourane semblait beaucoup trop austère avec ses effets de monochromie pour un artiste castillan de la fin du XVe siècle. Il est intéressant de voir également que le panneau flamand, qui constitue sans doute une œuvre isolée, a été inséré ici dans un retable de forme purement ibérique, et donc on s'aperçoit que la traduction du modèle flamand concerne non seulement les choix chromatiques, mais également véritablement le contexte même dans lequel va devoir s'insérer l'emprunt. Dans le cas présent, nous avons une Madone d'Ourane transformée en un panneau de retable ibérique à compartiments multiples. De la même façon qu'un peintre autrichien de la fin du XVe siècle va transformer, lui, la Madone d'Ourane en un panneau central de triptyque septentrional, puisque nous sommes en Autriche, évidemment, encore avec un fond doré et au revers des volets, la classique Annonciation. Cela fait également partie des stratégies de traduction dans la peinture européenne du XVe siècle, et selon que l'imitateur de la Madone d'Ourane sera un peintre du Nord ou un peintre du Sud de l'Europe, la composition de Rogier van der Weyden pourra se retrouver dans le panneau central d'un triptyque ou au contraire intégrée dans l'attique d'un retable ibérique. Et j'aurais voulu terminer évidemment par le fameux retable des Luna, qui constitue un lieu absolument central de réception de la Madone d'Ourane dans la peinture castillane. Le Sancho de Zamora, puisqu'il s'agit bien de lui, avait développé une capacité exceptionnelle à réaliser de nouvelles œuvres flamandes, entre guillemets, en combinant différents modèles flamands. Et donc, dans le panneau de la Vierge entourée par les anges de la chapelle des Luna, pour lequel, je vous le rappelle, il existe un terminus postquem de 1488, nous voyons que l'image est en fait le résultat d'un véritable collage utilisant principalement la Madone entre les quatre anges de Dirk Bouts et la Madone d'Ourane, et notamment l'arrière-plan du tableau de Dirk Bouts, qui appartenait à Isabelle la Catholique, est apparu comme une espèce de ready-made perspectif utilisé par le maître, par Sancho de Zamora. Alors, Sancho de Zamora éprouve de nouveau le besoin d'enrichir son modèle qui est la Madone d'Ourane à l'arrière-plan, puisqu'il l'enrichit donc de nouveau du point de vue ornemental avec ce drap d'honneur, avec ce coussin. Proviennent clairement du modèle de Rogier van der Weyden non seulement le visage de la Vierge et une partie du manteau, mais également l'ange Stéphane Effort et la fameuse console semi-circulaire qui va nettement nous intéresser, puisque cette console semi-circulaire va être utilisé à d'autres reprises par le même Sancho de Zamora, et notamment dans la Sainte Agnès, qui fait partie
du même ensemble, nous retrouvons la console semi-circulaire de la Madone d'Ouran, avec toutefois une transformation très significative, puisque le plan sur lequel cette console fait saillie dans l'original de Roger van der Weyden est évidemment un plan vertical, alors que dans la Sainte Agnès du retable des Luna, ce plan est devenu un plan horizontal sur lequel l'agneau pose ses quatre pattes. Disculpe, professeur, sí. Martens, 2 minutos. 2 minutos, es perfecto. Casi he completado todo. Gracias. Le Saint-André, qui a également été attribué par Madame Pérez à Sancho de Zamora, le Saint-André présente également cette console semi-circulaire, et cette fois-ci elle est utilisée véritablement comme dans le modèle rogierien, c'est-à-dire que la console fait saillie sur un plan vertical. Et l'on s'aperçoit ici que non seulement les modèles flamands ont été traduits dans un idiome que l'on peut considérer selon les cas comme aragonais ou comme castillan, l'on constate également que le modèle flamand a pu faire l'objet d'un véritable démontage pour être transformé parfois en un ensemble d'éléments figurés indépendants susceptibles d'être utilisés de manière autonome comme s'il s'agissait de pièces de voiture. Ceci nous a permis, je crois, d'éclairer différents aspects de la pratique de la copie dans la péninsule ibérique à partir d'un modèle flamand. Nous avons vu la dimension de normalisation iconographique, nous avons vu cette dimension de traduction, il y a également une dimension de démontage et de réassemblage qui met en évidence le caractère fondamentalement créatif de la pratique de la copie dans la péninsule ibérique à la fin du XVe siècle. Muchísimas gracias por su atención y dicho. Muchísimas gracias, profesor Martens, y además por esa conclusión tan interesante sobre esta variedad de copia, traducción, montaje que caracteriza la península ibérica y que de verdad creo que espero que en el turno de preguntas y debates podamos abordar con más plenitud. Muchísimas gracias.